In francese? Però sei italiana. Moi, dans cette école, j'aime la langue française. Puis j'aime l'enseignement qu'on a, perché uno può imparare anche altre abitudini e altre lingue per poi andare in giro per il mondo e essere più istruiti. Da questa scuola originale, perché sul territorio di Firenze è l'unica scuola trilingue che ci sono. Abbiamo quest'anno cominciato il trilinguismo con i bambini di 4 anni. Rodriguez, on a vu que notre livre de quoi parlait-il? Il parlait de l'œuf. Quelqu'un peut dire au monsieur comment on dit un œuf en italien? For me, what's original is the combination of nationalities and cultures here, which is something for me that I find stimulating and enjoyable. It's great to work with people from so many different parts of the world with so many different experiences. The kids, I find, also because of their experiences, are very, very mature for their age and very stimulated, so it's great. J'ai choisi cette école parce que cherchais une école internationale. À mon avis, le monde s'est devenu très petit. On vit en Europe. Ma génération, elle a unifié l'Europe. Et mes enfants, ils doivent devenir grands dans une Europe unie. Alors, je voulais une école multinationale. Je pense que l'originalité de cette école soit la possibilité de studiare più lingue e più culture diverse. Je voulais apprendre le français, vraiment. C'est une belle école. On peut faire italien, français, anglais, si on veut, comme moi, chinois. Je suis ici depuis 4 ans. In this school, I prefer the sport. Mes attentes sont toujours très importantes. Quand il s'agit de mes enfants, je m'attends à quelque chose d'excellent. Et c'est vrai que le système français est reconnu pour sa rigueur, pour la rigueur de la préparation, pour la manière dont les matières sont enseignées et la manière dont les élèves sont accompagnés. Chaque école a son histoire et l'histoire de Florence, c'est la rencontre entre trois désirs. La société de Florence, un certain nombre de familles qui voulaient une éducation de grande qualité, la mission laïque avec son projet qu'on retrouve sur tous les continents et dans toutes les écoles qu'elle pilote, deux cultures et trois langues, et puis la ville de Florence, grand centre urbain et patrimonial européen qui a apporté une grande partie de ce projet. Florence est unique et quand vous cherchez une école à Florence, vous avez le choix entre un palais et un palais, donc nous allons nous installer dans un palais. Nous n'avons pas cherché un projet haut de gamme, c'est Florence qui est hors pair. Comme vous le savez, la mission laïque est née autour de la Méditerranée. La Méditerranée est sa matrice. Et voilà que Florence s'est prêtée à cette installation avec donc une demande très forte des familles françaises, italiennes, étrangères, beaucoup de francophones, ressortissants justement des pays du Maghreb ou des pays du Machrek, et en même temps une forte volonté de la municipalité de Florence de voir cet établissement. Et c'est un établissement qui a donc une valeur aussi symbolique. Il ne faut pas oublier que Florence est la ville de naissance de Dante. Dante était peut-être le précurseur de la laïcité. Il a dit très tôt qu'il fallait séparer le spirituel du temporel, ce qui lui a valu beaucoup d'ennuis. Il progetto della mission laïque dell'école française è un progetto molto moderno che punta ad un modello educativo avanzato. Ritengo che una collaborazione forte tra Italia e Francia possa anche sostenere la creazione di un modello europeo di educazione che sia una buona sintesi tra Nord Europa e Sud Europa e che consenta alle nuove generazioni di crescere davvero come cittadini europei.